Novembre 2020. J'ai étudié les cartes et les images satellites. Je suis enfin prêt. J'enfourche mon bicycle et je pars à la recherche des ruines de Tepetic Park. Le Mexique est un pays couvert de montagnes, de collines et de volcans qui a abrité de nombreuses civilisations au fil des âges. La dernière à avoir entrepris la conquête de ce rude territoire était en provenance d'Espagne. Le premier signe que j'étais sur le bon chemin pour trouver Tepetic Park est la vue de ruines d'une chapelle catholique. Prends mon téléphone pour annoncer ma trouvaille à Claudia. C'est alors qu'un aigle est passé assez près de ma tête pour me faire entendre le coup de vent provoqué par ses ailes. Je reçois un texte de Claudia qui me dit de faire attention aux fantômes. Je peux apercevoir le site archéologique au loin, alors je me lance. Tepetic Park est le plus ancien site de la civilisation tlaxcaltèque. Celle qui a résisté à l'Empire aztèque et qui s'est alliée aux Espagnols pour conquérir le Mexique. Ses vestiges archéologiques sont restés abandonnés pendant 600 ans et les travaux de restauration se poursuivent. Par respect pour les habitants de Tlaxcala, leurs ancêtres et leur patrimoine, je ne me suis pas hasardé en dehors du petit chemin utilisé par les archéologues. J'ai pris mon vélo et je suis reparti à la quête de nouvelles aventures.